T'es pas chaud alors? Non. Du tout même. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis sur Metz, je vais y passer 2-3 jours en compagnie de la Miss. Coucou. Voilà, donc comme d'habitude, je me balade, je me fais plaisir. Et on va profiter du froid, on va aller chez une de ses amies parce qu'elle doit lui passer un truc, elle doit récupérer un truc. Voilà, puis on verra pour la soirée. T'es arrivé combien de temps en retard au boulot aujourd'hui? Je suis tombée. Voilà, est-ce que ça te va? Franchement, non, tu prends pas, t'en fais ce que tu veux, mais c'est dit. Elle est arrivée une heure en retard. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est les changements d'horaire, je m'y fais pas. Arrête de dire, ça t'envoie, c'est fini. Alors, on mange quoi ce soir? Des sushis. Des quoi? Des sushis. On mange plein de sushis. Ah, ça va être bon. C'est ça. Et devant un bon petit film, du coup. C'est ça. Harry Potter et le prince sont mêlés. On est vendredi et donc on a pris la direction pour aller à Thionville, donc ça y est, on y est. On va chez un perceur parce que la nuit avoir envie de se faire percer. Voilà, tout simplement. Ça a été le piercing, hein? C'est cool. Je suis pas une petite nature, hein. Non, ça va, ça va. Petite pause du midi, on est à la pizzeria. Bonne taille ta pizza. Ouais, je sais pas si je vais manger. Michel, tu vas manger? Même l'appareil photo. On se retrouve dans les embouteillages. Maintenant, t'as un joli téléphone. Le téléphone. La jolie coque, tu vois. Ouais. Le téléphone Apple qui coûte un SMIC. Ouais. Après Thionville, donc on est revenu direction à Metz. On a été faire un petit tour à la Fnac. Ensuite, on a été se poser histoire de se reposer. On a mangé tranquillement. Et puis là, ça y est, on est de sortie. On est au marché de Noël. On va aller boire un verre. Mais 5 balles, les pâtes. 5 balles? Il y a des huîtres, tu veux pas des huîtres plutôt? Quoi? C'est bon les huîtres? J'en bouffais plein à Noël avec mon père. Instant donuts et instant gaufres et savoyards. Le pillage de la choucroute. Alors, c'est quoi cette spécialité? Raconte-nous. C'est la choucroute. C'est les meilleures choucroutes. T'as pris quoi à boire? Ouais, du thé. Du thé au bar, quoi. On l'emmène dans un bar irlandais. Dans un pub, je sais, et moi je bois du thé. Moi j'ai pris une bière, tu vois, genre j'ai fait office. J'ai pris une bière, moi j'ai pris une 25, mais j'ai pris une bière. Et monsieur prend un thé. Encore? Toi ça passe, tu vois, parce que t'as quand même pris un diabolo, genre, ok, on est dans un pub, mais ok, ça passe, tu vois, genre, c'est pas super, c'est pas ça, mais un thé, thé. Moi, déjà, je bois pas d'alcool, je bois jamais d'alcool. Ouais, mais t'aurais pu prendre un diabolo, tu vois. Ouais, mais ça va faire vite. Il est resté dans le froid pendant un bon moment. Il y a même un moment où j'attendais avec deux nanas finissent leur coup de téléphone dans le froid. Moi, je me les glandais. Ah, mais c'est pas pour dire, j'avais besoin d'un truc chaud pour moi chauffer. C'est qui qui travaille sur le marché de Noël, qui reste dans le froid pendant toute la journée? T'as ta petite choucroute pour te voir réchauffer les mains, te réchauffer ton cœur. Voilà, ouais, c'est la faute. Non, mais je reconnais, c'est vrai que ce n'est pas très bien de travailler pendant plusieurs heures comme ça dans le froid. Ça va, encore là, j'ai fait 17h-21h. Hein. J'ai pas fait 10. Ouais. J'ai pas fait 10h-20h. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Je l'ai déjà fait. Bon, à la vôtre, déjà. Chin. J'adore ton chapeau.
là. La parole Marc sur YouTube. J'ai 30 pour avoir moins 30%. Je suis dans la nouvelle agence Shoneven. D'accord. L'agence des stars. Je pense que sa nouvelle agence, ça doit être Je suis une mytho. Il paraît que c'est très en mode en ce moment. Il y a des amis à Jade qui nous ont rejoints. Salut. Ça, c'est Sou. C'est moi, Sou. C'est moi. C'est moi, Sou. Ok. Bon bah du coup voilà, fin de soirée, on va se rentrer. On va se rentrer. Oui, il aime pas les galants. Je me méfie au cas où j'ai envie de bouger, tu vois. Coup de boule. Ouais, coup de boule. Coup de boule. Et si je me lève, ça sera plus facile pour moi. Je vais y aller. On est samedi. Ce matin, je me suis levé encore un petit peu tard parce que l'ami s'est couché un petit peu tardive. Et donc je l'ai emmené au taf, voilà, puis après je suis revenu donc à son appart, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis là donc je suis de nouveau ressorti, j'ai galéré pour trouver un parking, et tout confond en fait, voilà, je me suis garé dans un parking d'un centre commercial, je vais rejoindre justement Jade, on va aller manger ensemble, elle a une petite pause pour déjeuner, donc voilà, donc c'est on va dire à peu près le midi et le début d'après-midi. Je ne sais pas du tout où ça lève, si vous voulez. Il va manger. Bon, non, parce que je n'ai pas une tune, mais... Je vais manger rapidement avec Jade. Et voilà, donc là, j'en profite du coup en attendant qu'elle sorte du taf et qu'après, on reparte. Enfin, moi, je vais la laisser sur Chalon. Et bien, je me balade tranquillement dans Metz. Je profite un petit peu, vous savez, de l'ambiance de Noël. Je profite de la ville, tout simplement, et de la ville. Le 3 août à Fars, Adélaïde, 29 ans. Le 19 octobre à Gargandy, une femme de 39 ans. Le 19 octobre à Tiquereau, Amélia. Le 25 octobre, Sylvie Salmona, 55 ans. Le 25 octobre à Mandeur, Adélissa, 21 ans. Le 28 octobre à Bourg-les-Vallans, une femme de 53 ans. Le 28 octobre à Paris, Céloi, Amcé, quinquagénaire. Le 30 octobre, une femme de 35 ans. Je savais qu'il allait y avoir cette manifestation là justement pour la violence contre les femmes. Et à entendre ces noms, tous ces noms prononcés comme ça, qui n'arrêtent pas, qui sont cette liste un peu interminable, franchement je trouve que des moments ça fait froid dans le dos. Alors comme il commençait à pleuvoir, un peu froid, voilà, je me suis réchauffé, enfin je me suis réfugié en bas, dans un sous-sol, au coin de mousse café tout simplement, et voilà, j'ai dégusté mon petit thé pour me réchauffer et petit gâteau pour se faire plaisir. Ah, les fêtes de Noël, les cabanons, des odeurs de vin chaud, des croustillons, tout ça, ça donne toujours un petit peu de joie et de bonne humeur. À travers les gens, à travers cet esprit de fête, c'est vraiment très très plaisant. Profiter de la chaleur, de ces moments qui sont très importants, c'est des choses qui n'arrivent qu'on va dire qu'une fois par an, même si c'est sur plusieurs jours. Alors, c'est toujours assez plaisant de se balader là parmi ces petits cabanons, les commerçants qui sont là comme ils peuvent apporter un petit peu de chaleur. Et c'est plaisant toutes ces petites lumières, tous ces gens qui sont là et qui s'ambiancent.